OK! Jour 3 pour nos vidéos NHL 22. Là, cette fois-ci, on est à la boutique. Et puisque je me suis abonné à EA Play pour le temps de 1 mois, ben j'ai droit à mon pack débutant EA Play de 20 éléments, 9 joueurs minimum. Et là-dedans, minimum 4 joueurs all. J'ai jamais eu ça de ma sainte vie, un pack EA Play. Fait qu'on va voir si c'est bon, si c'est mauvais. J'aurais peut-être dû l'ouvrir hier avant d'ouvrir mon pack choix 81. Mais c'est fait. Des fois, on apprend sur le tas. Puis, anyway, j'ai eu ma belle spéciale. Donc, à date, j'en ai juste une carte spéciale. Je suis content de l'avoir. C'est pas grave si on n'a pas choisi nos packs dans le meilleur ordre possible. Fait qu'on y va. Pack. Quand l'entraînement, en plus, on dirait que c'est comme un pack de l'événement. Oh, c'est intriguant. Ouais, on confirme. On y va. Et si on a un bon joueur, on va le mettre dans l'alignement tout de suite. Côté def droit, à date, c'est faible dans l'équipe. Mais là, on a un def gauche. Oh, chandail de Red Bull Hockey Club. Ben oui. C'est un beau chandail. OK, notre chandail d'Europe. Préfère avoir des joueurs. Oh, on a un or. Défenseur gauche. Bon, j'aurais préféré un défenseur droit, mais hey, au pays, c'est pas grave. Là, si toutes mes palettes sont pas croisées à def en début de jeu. On va le prendre, parce qu'on a... C'est ça, on a un flanc qui fait dur un peu. Ça me ferait plaisir, un def droit. Chandail bronze, ça, c'est pas important. Ah, un silver. Chandail. Les Mooseheads. OK. Logo. OK. Oh, wow! Chandail All-Star d'époque. Ah! Beau chandail. Chandail or en plus, toujours preneur des chandails or. 1000 pucks, et on va y prendre. On va y prendre certains à date. Pas mal tous mes joueurs, c'est non échangeable, je pense. Fait que je suis même pas allé faire un tour pour voir si je pouvais vendre des cartes vu qu'on a juste 10 heures. Je pense pas que le marché va être si fou que ça. Enfin, on a un défenseur or droit. Lui, il va être en plein où je veux. Excellent. Oh! Oh, oh, oh! Hey, moi que c'était pas foufou ce que j'avais dans le net. Là, on aurait une vieille carte icône, Johan Hedberg. Mais dans mon souvenir, Johan Hedberg était pas si gros que ça. Ce qui couvre du net, 1m83. Ah, c'est quoi ça? 6 pieds à peu près? Pas sûr qu'il est plus gros que mon autre def. Mais avoir un goaler d'époque, c'est cool ça. OK. Oh, 500 pucks. Hey, ça va bien. Chandail silver. Oh, def droit, or, Connor Murphy des Blackhawks. Ça va bien, j'avais besoin de def. Et on a déjà deux def droit, or. Ma def va déjà s'améliorer pas mal. OK, good. Lui, on s'en fout, jouera pas. Encore du silver. Ouais. OK, on a juste une carte. Hey, on n'a pas eu de 80. 79, notre meilleur OV. Ah, yeah, c'est pas du gros OV, ça? Hein, oui, même pas une 80. On peut-tu finir avec une 80? Ce serait le fun. Oui donc. On y va. On finit avec... Ah, wesh! Un numéro. Bon, au moins, on a des meilleurs defs. Hey, comme d'habitude, on s'en va les mettre dans l'alignement tout de suite pendant la vidéo. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, à l'attaque, toujours pas de changement. On a beaucoup de joueurs or, mais on a encore du silver, là... à gauche, à droite, là, mais c'est pas si pire. C'est surtout la défense là, qui est largement améliorée. Deux defs or se joignent à l'équipe en Connor Murphy et Jesper Lindgren. Fait qu'il reste juste un silver. Non, il en reste deux. Notre dernière paire. La dernière paire, c'est du silver, mais nos deux premières paires, c'est du or. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Là, on va aller voir notre gardien si on le change ou pas. Bon, Johan Hedberg avait à peine plus d'OV, mais il fait 6 pieds. Logan Thompson, on clique son portrait, fait 1m91. Si c'est comme l'année passée, la grandeur va avoir une bonne influence. J'ai vu qu'ils en ont parlé dans le deep dive, qui était pour mettre des caps pour ce que la grandeur pouvait faire là, pour les goalers. Tant que je ne l'ai pas essayé, tant que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, j'aime mieux commencer qu'un goaler grand, puis s'il me déçoit, j'essaierai Hedberg. Fait que là, on y va encore pour Thompson pour l'instant. Fait que je vais aller me lancer un petit peu dans, je pense, attaque RH. Des petits défis, on verra. Je veux pas me lancer dans Rivo, parce que j'ai vu dans le live de Dumpty Dan qu'à Rivo, ça buguait full pin. Ses adversaires se déconnectaient, mais ça donnait une défaite à Dan. J'ai pas le goût que ça m'arrive.
Fait qu'on se réservera Rivo pour la journée du lancement, le 15. En attendant, on essaie de faire des défis, puis se ramasser quelques packs dans notre 10 heures de EA Play pour que je puisse vous faire une autre vidéo. Peut-être pas demain, mais oh, après-demain serait le fun. Fait que je me mets là-dessus. Salut, là. Gros vidéo demain, on ouvre plus que 15 packs.